C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden. C'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets et de mensonges dans un nuage de données. J'ai qu'à tendre le bras. Et tout ça, c'est à moi. À nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien, là? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les gens blindés de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. C'était quoi ça? Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas les seuls sur le coup. On va voir qui c'est. Pas le temps, Damien. On s'en tient au plan. Vide les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux voir qui. Mais merde. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout tu touches à rien. Qu'est-ce que c'est ça? On laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. Aide-moi. Damien, c'est fini, je... Maurice. Ouais? À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Aiden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi? Ça pose un problème? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. J'en sais rien, je te l'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi, ça pose un problème? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille? C'était juste un boulot, mec. Je savais pas. Qui c'était au téléphone? Donne-moi son nom. Il m'a jamais dit son nom. Je vais te donner un nom, moi. Léna. Léna Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête! Arrête! Qui a donné l'ordre? On a parlé au téléphone, d'accord? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom? Je sais pas! Son nom? Allez, bute-moi, merde, vas-y, bute-moi! Et ta mémoire, maintenant? Ça va mieux?
Maurice veut rien me dire. Mais je parie qu'à toi, il t'a parlé. J'en peux plus de cavalerie, putain. J'en peux plus. Tout ça à cause de l'autre et de Spears. J'ai tué sa nièce et il n'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Mais qui c'est, ce mec? Qui c'est? Bordel, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je parte d'ici. Yo, Maurice! Qu'est-ce que tu fous, petit bâtard? Oh, merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes, et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué, sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où, d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bon. Sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam-pam-pam-pam-pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Les suspects sont sûrement armés. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Le corps, ici. C'est un Viceroy. Et le fusil, là, ça doit être l'arme du crime. Reçu, on envoie le médecin légiste. Sécurisez votre position, on va inspecter chaque étage du stade. Bien reçu. Bad Boy, la police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que t'avais dit que le justicier devait se faire oublier. L'électricité est reliée au CityOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien y en avoir un dans le coin. Hey, c'est quoi, Alan? Oui? Vous avez un plan d'évacuation? Oui, bien entendu. Parfait, alors lancez-le. Attendez, je vais pas évacuer 40 000 personnes pour qu'on puisse jouer au cow-boy. Écoutez, tous les flics de Chicago vont débarquer dans le stade. Les spectateurs vont paniquer, il faut arrêter le match et les faire sortir dans le calme. Quoi, arrêter le match? Je peux pas faire ça, moi. Alors trouvez-moi quelqu'un qui peut et dépêchez-vous. Ça fera l'affaire. Bon, passe-moi Barry. Jordi, où est-ce que t'es? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi, d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau.
Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Je suis allé fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Sa culpabilité le bouffe. Je vais lui laisser quelques jours. Je suis sûr qu'il va se mettre à table. Ces types, on raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec! Pourquoi tu restes assis là? Il va venir, hein? C'est pas comme la dernière fois. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûr que t'as fait le bon numéro, maman? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au City OS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau City OS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es ? Là, je suis sur la route. Oh,
mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion? Tu préfères passer par un concessionnaire? Ce mec, je lui pose pas de questions et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ouais, ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies, et très cher. Alors tant que tu paies, il reste en vie. Hey, vous... Ils sont sûrement dans le jardin. Ok. On y va. T'as quel âge aujourd'hui? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillis d'anniversaire. Et... Un, arrête, deux, trois, maman. 4. Non. 6, 6. Maman. 7, 8, 10. 9. 10. 10. Attends-moi une seconde. Ok. Donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais. Désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson? Jackson? Désolé pour le retard. Tu me fais un câlin? Oh. T'es... grand. Alors, t'as eu quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je dois parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, bonhomme. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type, là, qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier. C'était moi, la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts? Sortez de chez vous, achetez-vous une vie. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides? Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? C'était qui, ça? C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive.
C'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon, apparemment il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires, parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blague quand je t'aurai retrouvé, toi. Ah, te voilà. Merde. Il est en mouvement. Voilà de quoi j'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Ouais. Désolée, je me suis un peu emballée tout à l'heure. Vraiment dingue des fois. Reviens, d'accord? Je resterai calme, promis. Aiden? T'es à la recherche de l'autre fringue, c'est ça? T'es en train de poursuivre, là? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi? Écoute, je t'entends mal, là, j'ai pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô? Allô? T'es toujours là, j'entends rien. Bon, allez, au revoir. Ah! Alors, marché conclu? Ouais, c'est bon, j'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Nikki Pierce, c'est ça? Je parlerai de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est cloque. Exactement. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nikki. Qui serait prêt à payer pour un truc pareil? Hey, y a du progrès avec DeadSec? J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client? Bon, il s'agit de quoi en fait? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le Loop... Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au site iOS dans le Loop. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Si le site iOS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. De Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DeadSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique? Rien pour moi, change de coin. Thank you.
Ouvrez l'œil, il bon. C'était quoi ce truc? C'était carrément chez quelqu'un? On dirait que le site iOS fouine dans les vies privées. Ah, je comprends maintenant pourquoi DeadSec déteste le site iOS. Nous y voilà. Je suis connecté. Quoi? T'es dans le site iOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du Profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit, là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type, c'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. C'est quoi ça? C'est quoi ça, un fixeur? J'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Il m'a localisé. Eh ben, à moi de le trouver maintenant. Le contrat de Jordi attendra. Bordel, il en a après moi. Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il pirate mon téléphone. Te voilà. Maintenant, t'es à moi. Dans sa main, là. Je l'ai eu. Ça fait un fixeur de moins. Combien il peut y en avoir encore? On s'intéresse à moi, apparemment. Les fixeurs sont des mercenaires. Ils travaillent pour l'argent. On a mis un contrat sur ma tête. Et c'est une putain de mauvaise nouvelle. Si je me souviens bien, ils utilisent la grille pour communiquer. Bien. Je peux retourner à la mission de Jordi. C'est comme un contrat de chauffeur. Je vais devoir déposer quelqu'un. Un peu comme un taxi, mais en mieux. Le truc, c'est d'éviter les flics. T'étais où, putain de merde? C'est le bordel ici! Toi, t'es parti en couille! C'est bon, j'arrive. Putain, mène-toi, les flics vont me serrer! Grouille! Les forces de police de Chicago sont parvenues à déjouer une effraction nocturne dans une usine. L'un des suspects a été tué sur place, tandis qu'un autre est en fuite. On craint des perturbations à Parker Square où la police a installé des barricades. Centrale, on a le feu vert pour un scan CTOS. On cherche le suspect. J'espère que t'as une invitation ou t'es mort. Je suis le chauffeur. Putain, c'est pas trop tôt. T'as une caisse, celle-là est défoncée. Non.
Mes règles, ta voiture. C'est comme ça. Bon, allez, d'accord, on y va. Eddie est mort, je l'ai laissé là-bas. Putain, les flics sont sortis de nulle part. Ça craint. Suis bien le parcours et fais gaffe. Les flics patrouillent toujours. Tu vas nous tuer avec ton parcours. Détends-toi et boucle-la. On fait comme on a dit, putain, je sais ce que je fais. Du bordel, c'est une voiture de police. Je suis pas aveugle. Oh, putain, on m'avait dit que t'étais bon. T'as assuré. Il y a des gars qui vont nous rejoindre. C'est pas le moment de merder. Oh merde. C'est Lucky Queen. Pourquoi le boss du club nous rejoint ici? Il est pas là pour nous. Il est là pour toi. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé. Il ne devait y avoir personne. C'est qu'une usine d'ordinateur, non? Mais l'alarme s'est mise à gueuler et les flics sont arrivés super vite. Je vous jure, c'est pas ma faute. Chut. Allons, allons, du calme, c'est fini, fiston. Au moins, je l'ai eu, non? C'est ça l'important. Effectivement, c'est ça l'important. Ainsi va le monde. Il n'y a pas de place pour l'échec. Oh, ça j'ai compris, Monsieur Queen. Mais c'est pas moi qui ai merdé. Non, c'est pas moi. Du calme, du calme. Tout va bien. Ça va mieux maintenant. Vous avez pu parler à votre mère? Appelez vos amis? Votre fiancée? Non, monsieur. J'étais pressé. C'est bien. Très bien. Employeur que je la rappellerai. Si un jour j'ai besoin d'une autre livraison. Lucky Queen, une belle ordure. Le chef du Chicago South Club. Ces connards faisaient déjà leur magouille à Chicago avant ma naissance. J'aurais dû rendre service à la ville en lui mettant une balle dans le crâne. Mais c'est justement le genre de truc que j'essaye d'éviter. Il y a toujours des représailles. Et j'ai eu ma dose. Alors, comment ça s'est passé? Pas de soucis? Tu pensais vraiment que je bosserais pour ces enfoirés du club? Eh, hey, mon grand, l'argent, c'est l'argent. Faut savoir séparer boulot et principe. Détends-toi. Écoute, je peux te mettre en relation avec mon contact. Il te trouvera de meilleurs contrats de chauffeur. Ouais. Pas sûr que je les accepte. Mais donne-lui mon numéro. Le cash, c'est toujours bon à prendre. Ah, et puisque tu me demandes, Maurice adore son nouveau chez lui. J'ai quelque chose pour toi. Faut qu'on se voit. Se voir? Genre, face à face? Je cherche un mec avec un masque ou... Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu rencontrais personne. C'est vrai. Mais là, faut qu'on se voit. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit? C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare.
Bad Boy. Hein? Bad Boy, 17. Putain, c'est quoi ton problème? Bad Boy, 17. Clara. Clara. Tu fais plus que 17 ans. Et je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment? Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me ferai pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DedSec? T'as fait ça pour moi? Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Ouais. T'es pas la première à me faire ce genre de promesses. Mm-mm. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Ou pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. Salut. Je parle à Bad Boy, là, ou à Clara? Ouais, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du CityOS. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique... T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. C'est le moment de changer ma vie entière. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Un truc qui va pas. L'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça.
Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh, oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Puisque je vous dis que c'est pas une simple pub, j'ai un globe oculaire gigantesque là, qui me bloque toute la vue. J'aimerais bien vous voir, vous, bosser avec un truc comme ça. Oh merde, quelqu'un a piraté mon PC. Oh putain, verrouiller les issues, faut le retrouver. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde! Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Y'a rien ici! Ça va? Ailleurs! Il m'a coincé! Me recherche. Je vais pas pouvoir m'échapper. DedSec aurait pas un truc pour brouiller les scans? Attends. Oui, je crois que oui. Je l'ai. Je t'envoie ça tout de suite. Dehors. T'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Hayden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Ce mec menace ma famille et maintenant il veut qu'on se rencontre. Il a su exactement comment attirer mon attention. D'accord. Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bellwether. Je savais que tu me trouverais. T'as toujours adoré les mystères. Alors, Eden, comment ça va? Damien Brinks. Mais à quoi il joue? Désolé pour la partie de cache-cache. Je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on discute. Mais avant ça, tu devrais te dépêcher. Ta petite cascade a déclenché une alarme. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va pas tarder à être interrompu. Alors si tu t'en sors, rejoins-moi. Je choisirai un endroit sympa. Pourquoi s'en prendre à ma sœur? On s'est pas parlé depuis... le Merlot. Je crois qu'on a une nouvelle cible pour vous. Laissez tomber votre taf en cours et concentrez-vous là-dessus. Thank you.
fait pour passer? Hé, j'ai besoin d'aide. Y a du monde dans le coin? Combien il vaut, ce mec? Ok, Damien. On va discuter. Ça alors, comme il est malin. C'est ma tournée. Salut, Damien. Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à Staré d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien? T'es toujours aussi sinistre, Aiden. Putain. Jamais tu te détends, toi. Je veux retrouver mon partenaire. Moi sur l'ordi, et toi sur le terrain pour le travail d'homme. Je suis là pour t'aider. On veut la même chose? Des réponses. Qui nous a attaqués? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. T'en fous. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan en or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop mignon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin, il a énervé les méchants. Et moi alors? Quoi, toi? Tu crois être le seul à souffrir? Ils m'ont estropié. Ils m'ont tout pris. Tu sais si... c'est ça qui nous unit. J'ai pas besoin de toi. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais comment le trouver. Je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi... j'ai pas besoin de toi. T'en vas pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après Lena, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Il faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. Tu sais qu'il laisse tout le temps des fleurs? Non. Cette petite a beaucoup d'amis. Avait. Il faut que je passe à autre chose. Je sais. On a tous vécu un vrai cauchemar, mais... il faut vraiment que t'arrêtes de remuer tout ça. Je remue rien du tout. Aiden, je sais ce que tu fais.
Je sais que tu recherches les gens responsables de tout ça. Mais tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas encore nous mettre en danger. Vous n'êtes pas en danger, puisque je vous protège. Non, mais tu t'entends parler. Aiden, pourquoi est-ce que t'arrêtes pas ? Parce que... Il faut que je sache. Tu es mon frère. Et je t'aime. Mais Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tuée. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi. Au nom de notre famille. Je te le promets. Lena est morte et je peux rien y changer. Mais comment je peux oublier tout ça ? Non. Maman m'a dit que... Quoi ? Tu crois que t'as un problème ? Il y a un mec du stade qui a survécu, s'il se met à parler identifié. Il a survécu ? Comment c'est possible ? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan. Retrouve-moi à Gorman Heights, sur le toit. Où est-ce qu'il est ? Jordi, c'est sans doute le pire des partenaires possibles, mais au moins je le connais. Dans d'autres circonstances, je serais peut-être à ses trousses. Ou le contraire. Mais s'il me dit qu'on a un problème, je dois me préparer à la pire des catastrophes. Il me restera plus longtemps à vivre, si je laisse ce survivant m'identifier. Ça. Bah, ils habitent ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois ? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème ? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Il ouvre un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et quick. Et là, surprise, ce soir on mange chinois. Jordi, le problème, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que t'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. T'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment ? Ouais. Si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a ? Pas des masses, à vrai dire. Oh, tu te souviens du cadavre ? Tu sais, celui du stade. C'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire. Tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible, ça ? Et voilà qui recommence. Regarde cette vue. Tu vois, là ? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clown et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. Il faut que j'aille lui parler, c'est ça ? Oui, mais cette fois, essaie de parfaire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais te servir de ce truc ? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Il peut être utile. Sans blague. Bon, on fait ça vite, d'accord ? Mes potes du balcon commencent à gémir et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand-chose. Tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça vite ? Comment je peux savoir ce que tu veux ? L'empathie, c'est pas ton truc, hein ? Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé au fixeur ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Toi ?
quelqu'un veut la tête du justicier. Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de t'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute, le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà ton point faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Bon, je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Fais gaffe, je crois que t'es un fan. Merde! Lequel? J'oublie toujours son nom. Le type avec les oreilles, là. Dawson. C'est un ami à toi? J'ai pas vraiment d'amis. Duncan, ou alors ça commence par un B. T'es sûr que tu le connais? Peut-être pas, finalement. Allez, je le descends. Paf! Un moins. Douglas. Quoi? C'est comme ça qu'il s'appelait. Douglas. Et merde, trop tard. Tu l'as buté. J'avais oublié son nom. Ah putain, je l'aimais bien ce mec. Il avait plein de blagues sur les blondes. Bon, je me rappelle d'aucune, mais bon. Est-ce que tu crois que tu pourrais t'amuser un tout petit peu moins? Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. C'est bon. Attends, attends! Arrête! Qui est sur le coup de la prison? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas de quoi tu parles! Lance Brenner. Comment elle va, ta petite famille? Qu'est-ce que tu me veux, putain? Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, des gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, il y a le reste, aussi. Des comptes fantômes, pleins à craquer. Eh. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées? Ça intéresserait les flics, tout ça. Ok, attends. Tu veux du fric? Je t'en fais une partie, si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok, ok. Putain. Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il a de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. Réveille-toi, Pierce, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh merde. Il est là, je le tiens. Je te connais trop bien, même. Vas-y, je finirai. On peut arriver. Où il est passé? Dispersez-vous. Aiden, t'as oublié de me rappeler? T'as retrouvé celui qu'on cherchait? Ouais. Je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Willis Tower.
Super. Je te rappelle quand j'y serai. J'aurai peut-être besoin d'aide. Ok, je suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duck face. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux à cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. J'ai quelque chose. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci les réseaux sociaux. C'est un bon début. Je continue à chercher. Ah, la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai son dossier médical sous les yeux. Elle a avorté l'an dernier. Ça expliquerait ses visites chez le psy. Tu cherches tout ça? Ça m'intéresse pas de la connaître. Je veux juste la retrouver. Hé, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules. Je suis désolée, je décide pas du contenu. Attends. Ah, super. Elle vient de modifier son statut. Elle est dans Connelly Square. C'est une grande structure en verre. Tu devrais pas être loin. Je la vois. Beau boulot, Clara. Tu peux supprimer les fichiers. Aiden, chez DeepSec, on veut que les informations soient accessibles à tous. Clara... T'inquiète. On s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes. Ok, Elena. C'est parti. Allô? Mademoiselle Tucci? Je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolée, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes pas mon type. Attention. Ouais? Salut, tonton. Elena. Tu veux encore des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les flics te recherchent. Quoi? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Angelo Tucci, où est-ce que t'es? Ah, te voilà. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Tu commences à être légèrement nerveux, là. Tu l'as retrouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Je veux me faire arrêter. Bah, bien sûr. Mais pourquoi tu ferais ça? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment trop pourri comme idée. Mais j'adore. Je vais te trouver le plan de la prison, on se parle plus tard. T'as besoin de quelque chose? Mon téléphone. J'y crois pas. T'as un vrai problème. Tu deviens accro. Jordi, il me faut mon téléphone. Ils vont me le confisquer dès mon arrivée. Ouais, je sais, je te fais marcher.
J'ai justement le type qu'il te faut. Il a une dette envers moi, tu lui auras son téléphone. Centre correctionnel de Pelin. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. Bouge pas! Lâche ton arme! À terre, tout de suite! Main derrière la tête! Allez. Il y a toujours lui qu'on est quitte. Bouge pas. Pierce. Hayden. Never again. Smith. Jordi. Je suis prêt. Ouais, je vois ça. Arrête de jouer au con. C'est toi qui devrais être ici. C'est ta faute, tout ça. Tu devrais surtout parler moins fort. Si t'envoies au trou, je pourrais pas t'en faire sortir. Je vais chercher le planning des prisonniers. Je te rappelle plus tard. Cours ! Jordi, j'ai trouvé le planning. Elle est où, la cour de promenade ? En haut. Je me souviens bien, ce mec avait une sorte de tatouage sur tout le visage. Un truc dégueulasse. Mais facile à repérer. Il doit être dans le coin. Je t'ai retrouvé. Et maintenant, comment te faire partir d'ici ? Mais pourquoi je dois être transféré ? Et vous êtes qui ? Vous êtes qui d'abord ? Et il est où, mon avocat ? Mais répondez-moi ! Mais tu vas la fermer ! Mais Patrick, où est mon avocat ? Emmène-le voir, ton avocat ! Non ! Jamais de la vie ! D'abord, faut qu'on te nettoie un peu, monsieur ! Je peux pas suivre ! Mais ta gueule, putain, ta gueule ! Merde, je ferais mieux de le retrouver avant qu'il le tue. Là, il y a un problème. Des gardes viennent d'embarquer notre cible. Merde, ils sont sous sol, vas-y. La prison sert de couverture pour une opération bien louche. Qui fait respecter la loi, c'est beau quelque part. Les portes sont ouvertes. Personne à cet étage. Aucune alarme a été déclenchée, fais attention. Bordel, qu'est-ce que de manger merde comme vous foutiez au stade ? Vous faites du business sans nous ou quoi ? Tu crois qu'on n'a pas des amis au placé, connard ? Eux aussi, ils veulent avoir leur part. Non ! J'ai déjà tout dit ! C'est pas la ville! Quand t'avais prévu, tu veux mourir? C'est un fichier, quoi! Je dis la vérité! Je le jure! Je t'en supplie, mec! Je te préviens, t'aggraves ton cas! Ah, tu veux le c'est ça que tu veux! Voyez vos arrières! Planque! Contournez-le! Allez! Prends-toi! Allez, coup de feu! Vous êtes à découvert! Merde, merde, merde! C'est pas bon, ça! Thank you.
Au secours, putain! T'es entré, au secours! Comment t'as fait pour entrer, mec? Oh, tu sais, c'était plutôt facile. Les prisons haute technologie, ça simplifie les choses. On se connaît? Quoi? On se connaît? Non, non, non. Je t'ai jamais vu, mec. Je me disais aussi. Donc, t'es ici pour 60 jours. Mais tu sors dans 30 jours si tu te tiens bien. Et maintenant, c'est marqué quoi, là? 60 ans? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Je te montre juste un avenir différent. Tu vois? Des fois qu'ils te prennent l'envie de parler... ou de passer un marché avec les flics. On se comprend? J'ai besoin d'une unité à la blanchisserie. On a perdu le contact. Reçu. On y va. Jordi, c'est fait. Super. Bon, j'imagine que tu veux sortir. T'en fais pas, je t'ai envoyé un petit colis surprise. Où ça? T'inquiète, tu peux pas le louper. Appel à toutes les unités. Un suspect a été repéré. Les officiers ont besoin de soutien. Centrale à toutes les unités. Centrale, on a besoin de soutien. Camille en approche. Tenez bon. Bien reçu. Voiture de patrouille de champ est en route vers la position de suspect. D'un deuxième hacker, quelqu'un qui était au Merlot. Il faut que je découvre ce qu'il sait. Aiden, j'ai pas du tout aimé notre rencontre. Au moins, je t'ai pas tué. On s'entendait si bien avant. Je t'ai appris plein de choses. T'es un hack professionnel. Et c'est toi le mec des infos? Le justicier. T'as parlé d'un deuxième hacker pendant le job du Merlot. Mais ça, on le savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, t'as quelque chose de nouveau. Ah, intéressant, pas vrai? Viens me voir, je t'expliquerai. Dis-moi d'abord, on verra si j'ai envie de te voir. Non, non, mes infos, mes règles. En plus, il faut qu'on rattrape le coup de la dernière fois. Allez, Aiden, dépêche-toi. Faut que je fasse ça vite. La faiblesse de Damien, c'est sa fierté. Je dois jouer là-dessus. Le convaincre de me dire ce qu'il sait et l'envoyer se faire foutre. Il est trop imprudent, trop dangereux. Où est-ce que t'es? Je crois que la réponse va pas te plaire. Tu sais quoi? Laisse tomber. Quoi que tu saches, ça m'intéresse pas. Tu m'as jamais apporté que des emmerdes. On n'a plus rien à se dire. C'est trop tard, Aiden. Tu devineras jamais où je suis. Attends, je vais t'envoyer les images. Trouve une télé et jette un œil. C'est la maison de Nikki. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais te dépêcher, mon garçon. Ta jolie petite sœur a besoin de toi. Damien! Damien, qu'est-ce que tu fous?
fils de pute m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il fout chez Nicky? Non, il peut pas leur faire de mal. S'il les touche, je le tue, il le sait. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de m'attirer là-bas. Il veut m'obliger à travailler avec lui, à retrouver les types qui nous ont attaqués. Il peut crever. Faut que je me débarrasse de lui. Allez, tenez bon, j'arrive! Quelle tragédie. Où est-ce qu'ils sont? Quel gâchis. Tout ça, c'est juste un gros gâchis. Tu sais, la vraie tragédie, c'est qu'un type comme toi soit entouré de tant de choses aussi fragiles. Ça te rend vulnérable. Ils sont où? Non, ça marche pas comme ça. Si j'étais toi, je répondrais. Oui. Nicky, où est-ce que t'es? Nicky! Réfléchis deux minutes. Si tu déconnes, elle crève. Écoute, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà, on en est là. Si tu m'avais écouté, ça aurait pu se passer différemment. Dis-moi où ils sont. Où ils sont? Y'a que Nicky. Et le gamin... Je sais pas où il est. Voilà ce qui va se passer. Ça va te mener à un disque dur. Je t'ai dit qu'il y avait un autre hacker. Grâce à ça, tu pourras dénicher son ordi. Trouve-le. Et tu sauras qui a mis un contrat sur nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est fini, les interrogatoires. Je veux ce disque dur, c'est tout ce que t'as à savoir. C'est le prix à payer pour Nicky. Arrête de réfléchir tout le temps, Aiden. Et tiens-moi informé. En échange, tu pourras parler à ta petite sœur. C'est étonnant de nous, quoi. Tu sais que ça va mal se finir pour toi. Peut-être, mais joue pas au con avec moi. J'en ai rien à foutre de tuer cette fille. Allez, à bientôt, mon copain. Où est Jackson? Damien ne l'a pas trouvé. J'espère qu'il a sa tablette. Là, il est dans le métro. Oh merde, quelqu'un est après lui. Damien ne doit pas capturer Jackson. Je dois le protéger. Allez, je peux y arriver. Je sauve Jackson et après... Nicky. Oh bordel. Il tient Nicky. Je vais pas arriver à temps. Faut que je pirate le train. Jackson pourra alors s'éloigner de ce type. On fouille toute la rame, le gamin est forcément là. Voilà, j'ai gagné du temps. Je peux aller à la station suivante. Tiens bon, Jackson. Le métro se barre, merde! On va le choper à la prochaine station! Go, go! Je dois te passer! C'est fini pour toi! Attention, il est armé! Thank you.
Jackson. Tout va bien maintenant. C'est fini. Écoute. C'est important. À la maison, est-ce que les messieurs ont dit quelque chose? Parle-moi, Jackson, s'il te plaît. D'accord. On va la trouver, ta maman. Yolanda, bonjour. Ici Aiden Pierce, le frère de Nikki. Tout va bien. J'aimerais vous rencontrer en personne. Je suis dans le train, avec Jackson. Très bien. Vous savez où Nikki le dépose d'habitude ? Oui, je vous y retrouve. Il faut que tu sois courageux, d'accord ? Les messieurs ont dit ça chez toi. C'est bien, Jackson. T'es un chef. Bonjour. Ça va, mon lapin ? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pierce ? Où est Nikki ? La semaine a été dure. Elle s'est enfin décidée à donner les affaires de Lena. Et je crois qu'elle est en train de faire ses adieux. Ça se passe mal ? Plutôt, oui. Elle devrait m'appeler. Elle voulait justement que je vous appelle. On se demandait si vous pouviez garder Jackson quelques jours. On vous paiera, bien sûr. Oui, pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. C'est très gentil, merci. Nikki doit faire son deuil. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. C'est pas facile, mais on va s'en sortir. Pas vrai ? Allez, viens, mon grand. On va s'amuser un peu. Viens, on y va. À bientôt. Allez. Monte. Racine. Où est-ce que c'est ? Voilà, Robert Racine. Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio, Robert Racine. Après, je passe aux employés. Il faut que je reste calme. Je peux m'en servir pour pirater les caméras. Salut Robert. Comment tu vas ? T'es en train de me doubler, là ? Je te l'ai filé, la mère Pierce. La femme, oui. Mais j'avais dit, pas le gosse. Tu croyais quoi, que j'allais te payer plus ? Tout ce que t'as fait, c'est compliquer les choses. Il y a un mec qui me suit, c'est toi qui me l'envoies ? Non, j'en
envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content quand il va s'en rendre compte. Putain, merde, je fais quoi? Tu te démerdes, mon pote. Bonne chance. C'est bon, les gars. Jamais tu touches à Jackson. Ah, ça. Un de mes employés a voulu en faire trop. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois... Ferme-la. Je veux parler à Nikki. Attends un peu. Tu crois que tu peux me demander des trucs? Tu lui parleras quand tu me donneras quelque chose d'utile. Suis cette adresse IP et on se reparle. Là, tu fais juste perdre mon temps. Damien me connaît par cœur. Il sait parfaitement comment je réagis. Ça doit faire un bout de temps qu'il organise tout ça. Mais il faut toujours qu'il aille trop loin. Il fera du mal à Nikki s'il obtient pas ce qu'il veut. Ok, pour l'instant, je vais jouer son sale jeu. Je vais suivre son adresse IP. Mais je trouverai un moyen de me le faire. Faut que je trouve une solution. Damien et son égo. Il veut cette victoire. Alors je lui laisse. Je vais retrouver le deuxième hacker et il va libérer Nikki. Enfin, je crois. Pour l'instant, j'ai pas d'autre alternative. Quel enfoiré. Saloperie d'affaire Merlot. Ok, Damien. On va voir si ta merde est quelque part. Voilà. Et merde! C'est quoi ce beau... Hé! Hey, c'est moi! Tu m'as demandé de venir. Désolé. Je suis un peu tendu, là. Ouais. Viens là, regarde ça. C'est qui, elle? Aucune idée. Le fichier est corrompu. Tu sais comment lire cette vidéo, toi? Non, c'est irrécupérable. Il te faut l'original. Je lance une recherche avec ton accès au site iOS. Ouais, justement, je voulais t'en parler. Tu vois, je crois pas qu'il soit au courant. Il en aurait parlé, je le connais. Qui en aurait parlé? Elle, c'est peut-être une piste. Ou pas. Il me faut une longueur d'avance sur lui. Aiden, t'as des ennuis? Une adresse IP? Oui, il me l'a donnée. Tu peux trouver où elle mène? Je comprends rien, là. Aiden, réponds-moi. Je ferai rien tant que tu m'auras pas... Il l'a enlevée, Clara. Il utilise ma sœur pour me faire chanter. Oh, mon Dieu. Le mec qu'on a tracé. Oui. Damien Brinks. Je peux rien pour toi. Je vais y aller. On se reparle plus tard, quand t'auras fini. Chut. Viens par là. Qu'est-ce qui se passe? Bouge-toi les oreilles. Vas-y! C'est mort!
C'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ma recherche d'adresse IP. Regardez pour qui, boss. Allez, reste bloqué, fais-nous tirer là. Vite, monte dans la voiture. Je vais m'occuper d'eux. Mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y! Ils vont essayer de nous piéger! Faites gaffe, merde! Dégage, allez! Qui? Je sais pas comment t'expliquer. Je connais un endroit où on peut parler. Viens. À la télé, ils parlent d'un incendie dans ton motel. Tu peux pas faire ton check-out comme tout le monde. Tu m'as déjà vu faire quelque chose comme tout le monde? Mais tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude. T'habitues pas. C'est pas prêt de se reproduire. J'ai plus accès à mon réseau, il me faut du matériel. Ah, ça, c'est pas mon problème. T'as pas voulu qu'on bosse en équipe, tu te débrouilles. Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi à 100%. Hé, hey, ma belle, il y a ton frère, il veut te parler. Aiden, Jack, est-ce que mon fils va bien? Il est en sécurité. Où es-tu? Je sais pas, il fait froid. J'avais les yeux bandés pendant tout le trajet. J'ai peur, Aiden. Je sais, mais t'inquiète, je vais te sortir de là. Écoute, je connais Damien. C'est pas un malade, il te fera pas de mal. Mais sois prudente quand il est là. Comment ça, tu le connais? Il m'a kidnappé. Il se sert de toi pour m'atteindre. Quoi? C'est fini. Bon, dis donc, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est en larmes, la pauvre fille. Damien, repasse-la-moi. Si tu veux continuer à discuter, tu suis l'adresse IP et tu m'apportes quelque chose d'utile. Salut. Ok, elle est en vie. Pour l'instant. Elle est dans un endroit où il fait froid. En extérieur, peut-être. Si je lui demande plus d'infos, je pourrais peut-être la localiser. La police de Chicago vient de lancer un mandat d'arrêt contre le justicier Aiden Pierce. Mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner leur soutien. Par conséquent, les forces de police ont énormément de mal à obtenir des renseignements. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Aiden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. Ces types, c'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site iOS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné... Non, non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel. Ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du site iOS. On l'appelle le Bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés.
Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Il faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Qui tu es, toi? Si tu peux faire ça, tu peux m'aider à entrer. Tobias Frewer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île, il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frewer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CityOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter, pour voir ce qu'il savait sur l'île. Et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici. Dans un campement de sans-abri. Il est SDF ? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Il dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, ils cambriolaient les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûre. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Je suis en train de faire un poker, là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé, là. Attends, il ressemble à quoi? Je sais pas, moi, une nana cyberpunk, hein. Ouais, je suis fermé. Ils jouent au poker. Pourrait peut-être jouer à louer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Hé, hey, c'est quoi, ça? Il y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'autre, là. Tobias, tu sais, je vais te chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. Le roi ? T'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Illégal dans le coin. Grosse surprise. Tobias doit être l'un d'entre eux.
Qui t'es, toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi, Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, non, prends ça comme un « c'est pas tes oignons ». Eh, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que Bloom t'a viré? Tu te trompes de personne! Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Faut le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges? C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Je crois. Mais oui. Tobias, tu veux bien me donner la télécommande? S'il te plaît. C'est moi qui l'ai fabriquée, la télécommande. Oui. C'est ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. Oui. D'accord. Ça va. Tiens, prends-la. Merci. C'est ta vie, après tout. Elle est lourde, hein? Ouais. Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Hey, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. Je pourrais très bien devenir aussi taré que Tobias. Je suis déjà recherché par les mêmes types. Et puis maintenant, je suis SDF, moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu que tu trouveras quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse. Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. Le bunker. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? T'as retrouvé Tobias? Ouais, ouais. Et alors? On a joué au poker, on a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. N'y va pas sans moi, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. J'ai entendu le générateur se mettre en marche. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée. Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil? J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, pas bête. En haut, alors.
un des immeubles. Je continue à chercher. C'est presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau. Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Vient de se réactiver. Attends-moi. Pourquoi? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. J'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. Vas-y, croise les doigts. On dirait que Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici? C'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. On est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossi Fremont. Le territoire des Viceroy. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici? Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. Pour info, je te vois plus sur ma grille, t'as disparu. Ah, Rossi Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil. Et essayez de voir ce qu'il manigance. L'IP de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Oui.
Alors, ça ressemble à quoi? Les Viceroy ont désactivé le City OS dans Tour aussi Fremont. Ils l'ont complètement rerouté. Et il n'y a pas que le City OS qui est hors ligne. Tout le quartier. Les habitants, ils vivent ici comme dans une zone de guerre. Ça explique pourquoi Bloom n'a rien réparé. Non, Bloom a les moyens de réparer ça. Il y a autre chose. On y est presque. Au fait, je pense que les flics sous-estiment sérieusement les Viceroy. Ces types font pas les choses à moitié. La situation se complique, c'est ça? Ouais. Et j'ai peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Allez, retour au bunker. On va voir ce que Rossi Fremont nous cache. Alors, ça marche? Ouais. On est connecté. T'as accès à tout Rossi Fremont, maintenant. Au fait, je voulais te remercier. T'as vraiment été génial. Ah, je résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé, du coup? Non. Ça ne fait que commencer. Faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses, et que je libère ma sœur. Et une fois que t'auras tes réponses, tu feras quoi? Je retrouverai qui a fait ça, et je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena. T'es toujours là? Ouais, je suis là. Bon, on se reparle bientôt. Où tu vas, t'as fini? T'as trouvé ce qu'il te fallait? Pour l'instant, oui. Ok, écoute, je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe? Non, pas trop. C'était si dur que ça? Non. Alors, au travail. D'accord. Ok, on va voir ce qu'on peut trouver. T'es sûr que l'adresse IP est là? Oui, un des étages supérieurs. Comment on procède? Eh ben, on se sert des caméras. Où est-ce qu'il est? Allez, quoi? Faut que je lui parle! Faut que je lui parle! Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est une vraie forteresse. Je vois pas d'accès facile. T'as l'habitude, on dirait. Non, c'est la première fois. Pas les reins.
T'es prêt à quoi, toi? T'es prêt? Oh putain, merde! T'es prêt pour moi, putain de métier de pute! Eh ouais, ma gueule! Oh, merde. T'es prêt pour moi, putain de pute! Allez! Allez, bébé! Allez! Allez! Oui! Il y a des gens qui vivent ici? Il y en a même qui meurent ici. Allez, salope. Allez. Voilà. L'adresse IP provient de cette pièce. Il y a un lecteur de cartes sur la porte. Merde. La clé est dans sa plaque d'identité. Écoute, personne t'a rien volé, mec, alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Eh ben, on va le prendre, le temps. Bedbug, ramène ton gros bout. Putain. Je t'ai dit de remettre ça où tu veux. Je croyais que tu... On t'a chié dans le cerveau, quoi. Tu te souviens du yinche de mémé? L'autre bâtard de bulldog. Du coup? Voilà. Quand on le sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, en fait, je comprends rien. Écoute, t'es mauvais pour mon business. Et à ton avis, gros, entre toi et mon business, je vais choisir quoi? Monsieur Quinn est en ligne. Ton business? Quinn. Je vous charge des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord? Ne jouez pas aux nuisibles, monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard d'Irlandais fini à la bière. C'est quoi un nuisible? C'est une sorte de rat. Un rat. Oh merde. Chose. Je vois vraiment pas comment tu pourrais entrer là-dedans. Et je parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Le gros, là, Bedbug, il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois? Et pourquoi il nous aiderait? À mon avis, il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. La situation se complique. Si j'arrive à maintenir l'attention de Damien sur ce disque dur, je retrouverai Nikki. Je le connais, il fera forcément une erreur. Faut que je sois patient. Mais là, j'ai besoin de Bedbug. C'est bon, le véhicule de monsieur est avancé. J'ai regardé les infos aujourd'hui. Il parlait d'une poursuite automobile près de Parker Square. C'est du Hayden Pierce tout craché, ça. Nikki est avec toi? Bien sûr! On a regardé ça ensemble. Je lui ai expliqué comment reconnaître ton style. Elle avait l'air surprise. On dirait qu'elle te connaît pas aussi bien que moi. Passe-la moi, je veux lui parler. Doucement, doucement. Et l'adresse IP. Ok. Il y a quelque chose à Rossi Fremont. Une sorte de serveur planqué derrière une porte blindée. Il est gardé par une armée de gangsters. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai besoin de toi. T'as trouvé le moyen d'entrer? Je suis sur le coup. Laisse-moi parler à Nikki. Tu vois, c'était pas si difficile.
Aiden. Nikki, on y est presque. C'est bientôt fini. Qu'est-ce qui se passe? Ce mec parle comme si vous étiez amis. On n'est pas amis. Plus maintenant. Je t'assure, écoute pas ces conneries. Pourquoi? T'as peur qu'il me révèle tes secrets? Je n'ai aucun secret. Sérieusement, Aiden, tu crois vraiment que je vais avaler ça? Je suis ta sœur. Alors si tu es ma sœur, tu pourrais pas être un peu compréhensive? Ah, pardon, je me fais enlever par ton ami et il faudrait que je sois compréhensive. Oui, bon, c'est sûr que si tu vois les choses comme ça... Oh, je t'ai vexé, j'ai oublié que t'étais sensible comme garçon. Oui, voilà, je suis un gros dur au cœur tendre. La récré est finie, les enfants. J'espère que ton plan va marcher. Et Nikki aussi. Je prends un risque avec Bedbug, mais mon instinct me dit que c'est la cible parfaite. Il a pas grand-chose, mais il a beaucoup à perdre. Facile à intimider. Très ambitieux, mais feignant. Ok. D'abord, sa maison. Pirater son portable. Enregistrer tout ce qu'il dit. Tu m'as promis que tu m'emmènerais à la brocante. Tu peux me dire ce que t'as de si important à faire? Je travaille, mémé, je travaille. Ah oui, parce que tu travailles maintenant. Tu me dis jamais rien aussi. C'est pas ça, mémé. D'accord, je vois. C'est pas un boulot pour Tyrone. C'est un boulot pour Bedbug. Ça va, mémé. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Bedbug? Eh ben... ça veut dire je suis un player, quoi. Un quoi? Bedbug, c'est une punaise qui va dans l'lit des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Ouais, j'arrive. Bon, faut que je file, mémé. Je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Même si t'es un fou. Voyons tout ce que je peux dégoter sur toi. Avec un peu de chance, tu verras rien venir. Irak, tu fais tout ça pourquoi? Tu veux contrôler un village? Tu te fais passer pour un ami. Et là, tu dis aux villageois que dehors, c'est tous des gros bâtards qui veulent les niquer. Ensuite, t'espionnes chaque maison. Tu te renseignes sur ce qui se vend et ce qui s'achète. Tu prends le contrôle. Et si quelqu'un déconne, c'est eux-mêmes qui viendront te le dire. Bon alors, tu vas parler de moi autour de toi? Je sais pas. Je devrais? Pour ton histoire de promo, là. Je suis pas censé en parler, tu vois. Mais Irak est en train de renforcer le groupe de Parker Square. Je lui en parlerai. Peut-être qu'il t'enverra la main. Putain, Bedbug, parle moins fort. Putain, ils attendent du monde ou quoi? On dirait qu'Irak a bloqué tout le quartier. On est quoi, nous? Des nounous? Non, des soldats, mec. Tu te rappelles quand Fly et son crew, ils ont disparu? Ils s'étaient mis à déconner? Et Irak les a descendus lui-même. Je le sais, parce que je l'ai aidé à les enterrer. Putain, mec, parle pas de ça si fort. Tu sais que ton cousin flippe trop que cette histoire lui retombe dessus. Ouais, je dis ce que je veux. Quoi? Toi aussi, t'es parano? Seulement quand je suis avec toi, mec. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire chanter. Si Irak entend ce petit bijou, Bedbug finira mort dans une décharge. Fais gaffe à toi. Comme d'habitude, quoi. Yo, check. Big B est dans la place. Bien? Bien ou bien? Puis-je parler à Lil Juice? Oui, monsieur, pas de problème. Seul. Please. Quel con. Tu fais ta tournée? Ouais. Je vais y aller en caisse. T'en penses quoi? Tu crois qu'ils ont capté? Non. Et on dirait que le club fait plus confiance à Irak. Cool. Parce qu'ils vont bientôt bosser avec moi. Et quand je serai le boss, je me souviendrai de toi. Yo, Rabbit! Il se passe quoi? J'ai des infos qui vont t'intéresser, Bug. Crois-moi. Ok. Je t'écoute.
pas au téléphone. Faut qu'on se voit. T'as du cash sur toi? Bah ouais, toujours. Pourquoi? Le truc, c'est que ça va pas être gratuit. Mais ça vaut le coup, je te jure. T'inquiète, on verra ça. Qu'est-ce que vous foutez, là? Non, rien, rien, on faisait une partie. Eh, je vois ça. Vous êtes censés faire gaffe, là, les gars. On vous paye pas, vous branler les couilles. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Irak pour lui dire que vous avez peut-être laissé passer quelqu'un. Ça va, on a laissé passer personne, Bi. Toute l'équipe est là, l'endroit est bouclé. Y a intérêt. Y a intérêt. Ok, je t'écoute. Bon ben, je veux 500 dollars pour ce que je sais. D'où tu crois qu'elle vaut autant de fric ton info? Parce que si tu lâches pas la thune, il te reste pas longtemps à vivre. Attends, c'est une menace gros? Je te préviens, me cherche pas. T'as pété un plomb quoi? Tu crois qu'elle va pas entendre parler de ça? Oh putain. Irak, sérieux? Mais c'est Irak justement ton problème. Ok, ok. Allez, dis-moi ce que tu sais. Ça a intérêt à valoir le coup. Bon, écoute ça. Ils vont t'appeler pour que t'ailles au break. Et là, ils ont prévu de te descendre. C'est des conneries, ça! Wow! Hey, hey! Qu'est-ce que tu fous, mec? Allez, mec. C'est quoi, ça? Rapide, je suis en début kayak. Trouvez ce bâtard. Butez-le! Faut que je bouge. Faites ça bien. Ouais, c'est qui? Le mec qui vient de te sauver la vie. Et je peux faire beaucoup plus, mais il faut m'aider. C'est quoi les briques? D'accord. Tu me tires de là et je te le dis. Ok, tiens-toi prêt. Ça va jamais marcher, putain. Ok, maintenant. Ok. Go, go! Ça craint, mec, sérieux! Je vais le buter, go, sale go. Petit bâtard de bug! Mais chier, putain, va te faire enculer! Va vite! Attends! Oh, ma gueule, mec! Va vite, ça fait de pute! Ramène tes couilles! Non, il se barre! Chopez-le! Sur Bedbug. Va falloir que j'y aille à sa place et que je m'occupe des tueurs. Ces mecs n'ont aucune valeur pour Irak. Mais dans un gang, pas de place pour un maillon faible. J'ai vu la même chose arriver à d'autres types. S'ils font pas leur part du boulot, ils se font descendre. Mais si Bedbug tient le coup et prouve qu'il est de confiance, non seulement Irak pourra sauver la face, mais il en sera fier. Ah bah tu tombes bien. Ton copain Maurice était justement en train de gémir. Il dit que t'as tout faux, qu'il s'est fait pigeonner par son client, tu parles d'une pleurnicheuse. Dis, ça t'embête si je lui colle un coup de perceuse dans ses rotules? Oui, ça m'embête. T'es tellement prévisible. Ça donne pas envie de te rendre service. Justement. T'as besoin d'un service. Je prépare une embuscade. Il me faut des explosifs, tu peux m'arranger ça? Je peux tout faire. Après... si je veux le faire, ça c'est autre chose. Mais attends, tu sais quoi? Ça tombe bien. Laisse-moi récupérer mes potes et je te retrouve là-bas. Hé hey. Oh, c'est quoi ça? Passe par derrière, tu verras. Oh.
Comme je te l'ai dit, j'ai amené des potes. Oh merde. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'aide. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et... Et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon, allez, passe-moi des explosifs. Quelque chose de pratique. D'accord. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tank, une grosse cylindrée des 70s. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref. Ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiotte écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de « ping » et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois. Génial. Merci. Ça, c'est pour toi. C'est une bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein? Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques. Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper? Non, pas question. Ou alors on fait ça? Comme ça? Ouais, ce sera une sorte de... d'entraînement. Eh les gars, vous en dites quoi? Jordi. Parfait, j'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Jordi! Veulent descendre au Bedbug. Sauf que ça compliquerait mon plan. Ok. Je vais leur tendre une embuscade et me débarrasser d'eux. Irak le saura, la réputation de Bedbug va monter. Et là, il sera à moi. C'est abandonné. Mais il doit rester des caméras de sécurité. La tronche? Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Oh, des pièges, c'est bon ça. Putain, c'est qui ça? Allô? Tes copains peuvent pas venir te répondre, là. Ils sont morts. De quoi? Hé! Hey, y'a encore un mec debout? Y'a quelqu'un? Allez, merde! Si je le laisse s'enfuir, il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Oh!
offrir à Bedbug la réputation dont il rêvait. Je dois maintenant lui faire peur pour qu'il se range de mon côté. Un petit chantage, ça devrait le convaincre de m'aider. Allô ? Pourquoi tu m'as raccroché au nez ? Putain de merde ! Hey, mais t'es qui, toi ? Un player comme un autre. J'ai un boulot pour toi. Attention, c'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bedbug. Je te rappellerai. Non mais putain, c'est quoi ce délire-là ? Arrête ! Y'a quelqu'un après moi ! Ils sont tous morts ! Faut que vous m'aidiez, les gars ! Mec, t'as complètement craqué ! Qu'est-ce que tu racontes ? Non, pas moyen. Non, non ! Attends, attends ! Merde ! C'est pas drôle, là. Ouais, c'est là. Putain, mais merde ! Pour la part direct ? Non, 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 arrête ! T'occupe pas direct, il s'occupe pas de moi. Non, et on dirait que le club... Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu seras mes yeux et mes oreilles à Rosie Fremont. Non, jamais, mec, Irak va me tuer ! Ah ouais ? Et il fera quoi quand il verra tout ce que j'ai sur toi ? Je te montre la suite. Non ! Efface tout ça, s'il te plaît. Sois un bon petit indique et je fais tout disparaître. Je te rappelle. Pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler ? Tu vas me faire tuer, putain ! Dis-moi comment je peux approcher Irak. Y'a pas moyen, mec. Laisse tomber, c'est cramé. Il sort jamais de sa planque. T'es sûr de ta réponse ? Ah non, attends. Les enchères. Les enchères de Queen. C'est quel genre d'enchères, ça ? Du genre privé. C'est pas vraiment une vente aux enchères normale, tu vois. Faut une invitation. Cool, tu vas m'en trouver une. Attends, t'as cru que j'étais qui ? Ok, ok. Je te rappellerai. Tiens-toi prêt. Comment ça s'est passé ? T'as trouvé un moyen d'entrer dans l'immeuble d'Irak ? Ouais, j'ai convaincu Bedbug, il attend plus que mon appel. Parle-moi de la carte d'accès qu'Irak portait. C'est le seul moyen d'entrer dans cette salle. C'est une radio étiquette. On pourrait la cloner, mais tu dois t'en approcher de très près. Irak va assister à une vente aux enchères. C'est l'occasion ou jamais. Oui, les enchères. Tu te rappelles de la mallette qu'Irak avait avec lui ? Difficile à oublier. Il a fracassé le crâne de ce type avec. C'est ça. Il a dit que la liste des invités était à l'intérieur. Tu peux me remercier parce que je l'ai suivi. Attends, laisse-moi regarder. Alors ça, c'est bien joué. Si on récupère cette mallette, tu penses pouvoir me trouver un nom sur la liste ? Un nom que je puisse emprunter ? Je pensais justement à ça. Je t'envoie les coordonnées de la mallette. Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés. Il a ses propres plans. Bon. Pour l'instant, il me faut cette mallette. Bon, le boss tenait à ce que je t'explique l'importance de la mission. Tu vois cette mallette que tu transportes ? Elle contient pas que des noms et des invitations. Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétions, tendances. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités. Compris ? Alors t'as intérêt à en prendre soin comme si elle était remplie d'or. Alors tu vois la mallette ? Oui, elle se déplace. Attends. J'y crois pas. Quoi ? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche vraiment ces trucs-là ? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça ? Ils espèrent tromper le CTOS ? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin ?
Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup à un autre endroit. Ok. Non. Non. Ah, là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un... un Monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen ? Nicolas Crespin. 32 ans. Américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Eh ben voilà. Oh la vache. Il y a une liste de ses préférences. C'est un malade ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok. Je vais l'attendre là-bas. Bon. Voilà qui est fait. Au tour de Crispin, maintenant. Oui, bonjour, c'est Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. Merde. J'oublie toujours que Clara n'est pas habituée à tout ça. Je vais finir par l'effrayer si je fais pas attention. Crispin va me permettre d'accéder aux enchères, c'est ma seule chance d'approcher Irak. Mais pour ça, il doit disparaître. Monsieur Quinn tient à ce que votre première visite à Chicago soit inoubliable. Il fait un joli bruit, hein? Exotique et rapide. Monsieur Quinn ne savait pas quelle couleur vous plairait, alors... vous choisissez. Pas le laisser s'enfuir. J'ai entendu parler de cet enculé. Oh ! Mais pensez-vous c'était quoi ça ? J'ai jamais utilisé des comme ça ! Comment ça sert ? Défendez-le ! Faites votre boulot, putain ! Merde !
putain! Apparemment, ce pervers de Crispin devait récupérer quelque chose dans le club Infinite 92. Il appelle ça le menu Poppy. Infinite 92. Pas de résultat officiel. Oh, on en parle dans quelques fils de discussion ici. Ah, donc c'est un club fétichiste pour messieurs. Clandestin, évidemment. Donc le menu Poppy, ce serait une femme ? Ça collerait aux infos que Queen avait sur Crispin. Je suis pas sûr que Poppy aurait survécu à la rencontre. C'est quoi exactement cette vente aux enchères ? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Bon, je vais au club. L'invitation de Crispin est là-bas. Ok. Me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré et je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Le menu, Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux, spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, monsieur ? Dans les embouteillages. Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort, et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en autant qu'il vous plaira, monsieur. Alors c'est toi, mon petit cadeau. C'est quoi ton nom ? Poppy ? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez ? Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant! Je te ferai aucun mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non! Non! Ils m'en trouveront. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous n'êtes pas Crispin. C'est pas vous. Je m'appelle Pierce. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infinite 92 et fais-toi passer pour mon assistante.
Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je ferai tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir, mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer. Les enchères de Quinn. Irak doit être à l'intérieur. Il va y avoir des gardes partout et ils vont pas tarder à apprendre ce qui s'est passé chez le concessionnaire. Alors je trouve Irak, je scanne sa plaque et je me tire discrètement. Ça a l'air facile. Mais à mon avis, ça risque d'être tout le contraire. Désolé, Monsieur Crispin. On doit prendre votre arme. Mais avec plaisir. Prenez-en soin. Monsieur Quinn dit que vous voulez voir la matière première. Oui, j'aime bien voir ce que j'achète. J'ai demandé à ce que ma marchandise soit livrée ici. Dites-moi où je peux trouver Poppy. Monsieur Quinn a bien reçu votre demande. Vous inquiétez pas, elle est là. Vous devez connaître les règles fixées par Monsieur Quinn. Tout paiement doit être effectué en liquide ou via un compte sécurisé. S'il vous prend l'envie de tester une fille avant que les enchères soient ouvertes, il y a un supplément à payer. Les filles premium peuvent pas être testées. Pour préserver leur valeur, voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, oui. Et allez-y doucement ce soir, si ça part, on aura du mal à convaincre les autres du service. Nos clients sont plutôt discrets. Ouais, ouais. C'est Monsieur Crispin, l'accompagne pour voir Monsieur Quinn. Ils amèneront pas toute la marchandise sur scène en même temps. Certaines de ces marchandises seront montrées en privé. Elles ont toutes été marquées avec un numéro. Comme ça, c'est plus efficace. Certains invités préfèrent regarder leur moniteur. Et on m'a dit que vous, vous vouliez voir la scène. Sinon, comment pourrais-je apprécier à sa juste valeur la qualité de votre travail? Reste pas là, toi. Monsieur Quinn l'attend. Monsieur Quinn est là-haut avec Irak. Yo, le boss vient juste d'appeler. Les hommes de Quinn viennent de se faire buter. Il se passe un truc chelou. Il veut qu'on vérifie toutes les identités. Tout le monde doit y passer. Sauf votre respect, c'est vos hommes qui ont disparu. Ça devient trop risqué. Il faut plus qu'un supplément de sécurité. On aurait dû tout annuler. Le risque, c'est d'être perçu comme quelqu'un de faible. Détendez-vous. Faites votre travail. Sans en faire toute une histoire. Ouais, mais il manque des gars. Ça, c'est votre problème, Monsieur Irak. Les affaires doivent continuer. En attendant, trouvez qui a tué mes hommes. Ce sera tout. Monsieur Crispin. M'excusez. Bien sûr. Ah, notre invité d'honneur. Monsieur Quinn, malheureusement, je ne peux pas rester. Vous aimez ce petit spectacle? Lequel? Celui d'en bas ou celui d'en haut? Oh, mon associé, Monsieur Irak, c'est un soldat loyal. Mais il est jeune. Que voyez-vous en regardant là-bas? Je vois quelqu'un qui étale son pouvoir. Monsieur Irak, il voit une vente aux enchères, il voit une récompense. Et l'expérience m'a appris à ne jamais me laisser manipuler. À ne jamais céder. Je ne détecte aucun accent, monsieur Crispin. J'ai appris beaucoup de choses pour en arriver où j'en suis. On m'appelle Loki, mais la chance n'est pour rien.
Monsieur Crispin, il se méfie de vous. Je sais, allons-y. Viens. T'es prêt? Ce tatouage. Ils disent qu'ils s'en servent pour nous retrouver. Ça marche comme ça dans le business. Je peux brouiller le signal. C'est fait? Oui. Je les ai entendus parler de Crispin. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous devez partir, vite! Passez par le sous-sol. Viens avec moi. Non, je peux pas laisser mes amis. D'accord. J'enverrai l'aide. Qui a lieu là, à Brandon Docks, au niveau des Barrows. À toutes les unités, on signale une fusillade de Barrows de Brandon Docks, à toutes les unités. Bon, les flics trouveront ces filles et elles seront en sécurité. Pour ce qui est des acheteurs, s'ils échappent à la police, je finirai bien par les retrouver un jour. Je vais essayer de retrouver ces types et utiliser le profiler sur eux. Après ça, je pourrais prouver ce qu'ils ont fait ici et faire tomber toute l'organisation. Monsieur Pierce, Jackson a disparu. Je suis très inquiète. J'allais appeler la police, mais je voulais d'abord vous prévenir. Vous avez bien fait. Il fait ça de temps en temps. Quand il est stressé, il part souvent faire une balade en métro. Vous inquiétez pas, je sais où le trouver. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, il faudra appeler la police. Tout ira très bien, je vous assure. J'avais peur que Jackson fasse un truc pareil. C'est bien son genre. Il tient ça de son oncle. Il est parti à la recherche de sa mère. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Le voilà. Merde, qu'est-ce que Jackson fait ici? C'est le fourgon de Racine. Il doit penser que sa mère est là. L'endroit est à la mafia. Et après les enchères, ces types vont être sur leur garde. Thank you.
On va te mettre à l'abri, viens. Allez, Jackson. Allez, viens. On y va. La façon qu'avait Jackson de me regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous tués. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi, ça. Qu'est-ce que je deviens? J'aimerais vraiment pouvoir tout expliquer. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Je sais que c'est pas facile. Écoute, Jackson. Le temps que j'aille m'occuper de ces types. Je veux que tu sois en sécurité. Ça me rendra plus fort. Je suis comme le soigneur. Oui, t'es comme lui. Sauf que c'est qu'un jeu. Je vous préviens, si je n'ai pas de nouvelles de sa mère très vite, j'appelle la police.